Non, parce que
Thank you.
Je veux la satellite. Tu dis c'est tout. Thank you.
La style de l'énergie de la grâce. Je m'accès à ça. Tu dois laisser la date.
Asti, je l'ai ah oui. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont pas là, tabarnak? C'est ça que je voulais voir. Dans le courant de l'hiver de cette commission parlementaire. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
Au retour de l'Égypte, nous avons laissé la Russie en compagnie, en compagnie d'un des trios qui représente la grande ville des ainsi que d'un de nos entrepreneurs amis qui revient année après année. Rejoins-moi là et on s'en rend le temps pour se
communautaire est une de ceux-là. Donc, dans l'ensemble de nos activités, on veut vraiment s'assurer qu'on maximise nos efforts pour nourrir les gens, pas juste à cette période-ci d'année. Donc, c'est tout le long de l'année, et vous savez qu'on a un défi d'opérateur de magasin. Notre défi, c'est s'assurer que Cette année, bonjour. Bonjour. J'ai envie de demander, depuis que tu as été dans le monde, il y a sûrement peut-être un événement, un témoignage, quelqu'un qui t'a marqué, j'imagine. Oui, quand il y avait la conférence de presse, monsieur Jean Talon, il y avait une famille qui m'a rencontré, le père et ses deux filles, qui nous a raconté quand il y a eu un manque alimentaire, un moment où il y a eu plus de difficultés, ça a duré 3-4 ans, mais à ce moment-là, c'était Noël, ils avaient pas beaucoup d'argent, et le fait d'avoir un peu de bouffe pour le temps des fêtes, ils ont réussi à sauver un petit peu d'argent, faire des cadeaux, ils tiennent nos enfants, puis après les deux filles, ils disaient, on n'avait pas eu. On n'a pas eu la connaissance, on était pauvres, tu sais. Ça l'a vraiment aidé à garder une dignité, puis je me suis vraiment touché. Ouais, avec raison. Et justement, si on veut aider les gens à avoir un petit peu de bien-être, quand c'est la période des fêtes, de façon plus petite, qu'est-ce qu'on peut donner, comment? Mais on pense souvent au bord de conseil. Pourquoi ne pas donner des produits de lait, des biscuits, des chocolats, des produits d'hygiène, aussi shampoing, savon, des choses chères, dentifrice. Peut-être il y a un monsieur qui nous portait des nettoyants à dentiste pour les personnes plus âgées qui n'ont pas les moyens. On donne donc ces produits de lait. Merci, Jean Pétier, j'ai bien fait. Et je vais partir avec Vincent. Vincent, j'ai des chiffres ici. Là. Des chiffres qui augmentent dans le cas de la bibliothèque, ce n'est pas une bonne affaire. Hein. La demande d'aide a augmenté, la demande d'aide mensuelle, la demande de portion remise, tout est à la hausse, c'est triste de voir ça. Les mensuels, il y a 1 700 000 demandes d'aide alimentaire par mois au Québec. Alors, c'est énorme. Mais aujourd'hui, évidemment, on aide les organismes communautaires à l'animation des manques alimentaires à travers le Québec, évidemment, parce que c'est une opération sur l'ensemble du territoire. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que si on lutte contre la pauvreté, on agit aussi pour la santé. On agit contre le voisinage. On agit contre la violence. Il y a un coût humain à ça, d'abord, mais il y a un coût économique phénoménal, des coûts économiques phénoménaux. Exactement. Donc, on est là pour ça aussi, pour rappeler ça aussi. Ça, c'est, il faut aussi s'attaquer à la source. C'est une grosse roue qui tourne et qu'on avantage à entretenir. Alors, je sais pas, on peut donner un chiffre comme d'eau chacun? Jusqu'au 21 décembre. Jusqu'au 21 décembre, j'ai fait tellement à l'eau. On invite vraiment la majorité de la population à venir nous aider à nourrir les gens. Aujourd'hui, on veut appeler aux gens qui s'associent. Et aujourd'hui, on est là pour crier au pétrole à tout le monde qu'on sort de 1 $ de 20 $ en nous. Oui, parce qu'en argent comptant, c'est toujours bon. C'est pas le premier coaching. Ce soleil qui fait ça depuis des années. Vous savez, si vous me donnez 10 $, j'ai beaucoup plus de pouvoir d'achat. Si vous me donnez, par exemple, les cash, c'est toujours bon. Et puis, à 11 h 30, on est en avance sur les 15% et en termes de denrées, c'est le double. On va que de l'année passée. Bon, ben, le tour, c'est une bonne nouvelle. La journée n'est pas terminée. Vous êtes debout depuis pendant ce matin? Alors, on donne des bonnes nouvelles. Il faut dire qu'il y a 23 000 personnes qui ont demandé des paniers. On est capable d'en donner 16 000, 17 000, donc si j'avais fini, pas des bonnes nouvelles, le travail est toujours à côté. Bon, alors, je vous laisse vous aider pour ça, merci pour votre éducation, et voilà, maintenant, c'est tout le monde, ça va marcher beaucoup bien à beaucoup de gens. C'est dans le point d'éducation, merci Brigitte. À tout le temps. Avec une minute, on va revenir sur ce qui s'est passé en Californie, notre collègue Richard a conversé avec Alexandre Lerner et nous, avec les toutes dernières informations, et on passe à la carte de mer, aujourd'hui. C'est le conservateur assuré. C'est la dernière. C'est pas assez.
Oui, une proposition. Et son ami JP, c'est ma fête aujourd'hui. Voilà. Bah, c'est pas JP, il ne faut qu'il n'y a pas à regarder. OK?
Thank you.